Moi, la fille, je dis, vous êtes comme moi, je suppose, vous avez reçu un courrier comme ça. Pour la vaccination. Alors, je vous avoue que je suis bien embêté de savoir si je dois le faire ou si je ne dois pas le faire. Ça fait plusieurs fois que je demande dans les salles où je passe. Vous savez qu'il y a une publicité qui a été faite énorme pour qu'on se fasse vacciner. Sans que les gens sont assez suspicieux, je ne sais pas. Alors moi, tous les soirs, j'allume la salle et je demande aux gens de lever les bras ceux qui se sont fait vacciner. Alors ce soir dans la salle, qui sont les gens qui se sont fait vacciner? Ah non, mais c'est pas le sujet. Hein. Qui sont les gens qui se sont pas fait vacciner? On va voir ce que ça va être. Bon, alors, vous avez eu comme moi, merci, ça me donne une idée de savoir si je dois le faire ou pas. Donc moi, je suis comme les moutons, je retourne les moutons, alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'un côté plus que d'autre. Vous avez vu que comme moi, à la télé, il y a eu cette période de communication de Roselyne Bachelot. Alors, c'est pas venu pour la critiquer, pour se porter jugement, hein, vous savez. Mais simplement, je me suis aperçu quand même qu'il y avait quand même une communication assez intensive. On l'a vu sur TF1, en train de d'abord se faire vacciner, pas pour elle, faire vacciner l'infirmière et être à côté. Hein, c'était marrant, regardez. Là. Et après, comme ça ne marchait pas trop, on l'a vu elle-même se faire vacciner avec les caméras de TF1. Voilà, même la ministre s'est vaccinée, voilà. Alors, moi j'ai vu une petite chanson là-dessus. Vous en pensez ce que vous en voudrez. Vous en délivrez ce que vous en voudrez. On va séparer là-dessus. La Roselyne, je cours vaccine à la télé, je l'ai vu sur la première, une infirmière lui a piqué son bras de but. Quel dommage que les labos n'aient pas fait le vaccin en suppos. Ça, ça aurait fait péter l'audimat. J'imagine la Roselyne pour convaincre l'opinion. Est obligée à la télé de relever ses cotillons. Quel dommage que les labos n'aient pas fait le vaccin en suppos. Mesdames et messieurs, soyez courageux, ensemble d'un geste banal, je vous propose ces millions d'euros qui entreront aux nouilles dans les annales. Ainsi en nous, en mettant la lune, c'est tout un peuple qu'on enrume. La Roselyne, le vaccine, à la télé, je l'ai vu. Sur la première, une infirmière, tu as piqué ton bras de dos. Quel dommage, que la peau n'est pas faite maintenant du beau. Quel dommage, que la peau n'est pas faite maintenant du beau. Quel dommage, que la peau n'est pas faite maintenant du beau.